tout le monde, donc aujourd'hui nouvelle vidéo encore pour un nouveau vlog. J'espère que mes vlogs vont pas vous saouler parce qu'en ce moment j'ai vraiment que ça à faire et puis pendant que c'est les vacances j'en profite. Désolée pour mon lit pas fait derrière. Du coup aujourd'hui direction Ikea parce qu'on a j'ai envie d'acheter un meuble parce que j'ai plus de place en fait pour ranger mes petits produits. C'est ce meuble-ci que je veux racheter. Bon là il est cassé parce que mes cours, avant je mettais mes cours dedans et c'était trop lourd en fait. Du coup c'est exactement le même et lui je vais le foutre au fond là-bas dans ma chambre et je vais mettre le nouveau ici. Du coup voilà, j'aimerais bien trouver le même mais je me fais pas trop de faux espoirs, d'espoir, je sais pas, parce que comme vous savez que la poisse me suit, elle est accrochée à mes fesses. Et bah le rupture de stock il sera sûrement pour moi hein, comme les autres. Oh, je sais pas si vous avez suivi mes aventures Ikea là, de quand j'avais acheté ces meubles là, mais c'était trop galère parce qu'on a fait 3 Ikea, c'était en rupture de stock partout, enfin bref. Du coup voilà, espérons que ce petit placard il sera. Là du coup je sais pas quoi mettre sur ma lèvre en fait. Le jour de Noël j'avais mis ça, un tout petit Colourpop, franchement les trucs comme ça, je vais faire le macro, minuscule Colourpop. Et franchement le petit truc comme ça, ça me donne envie de pleurer, tout ce qui est trop tout petit, trop chou, ça me donne envie de pleurer. Ok, ok c'est pas grave. Il est beau ce collier, non? Non, ça fait trop, j'ai déjà des lacets là. Vous pouvez le retrouver sur Off Carrel si vous voulez. Et du coup, qu'est-ce que je disais? J'ai pas envie de quelque chose de trop foncé. Un nude me dirait bien. J'arrive pas à le prendre. C'est beau ça, non? Ça? Non, en fait, j'ai envie de remettre une sorte de... Pas de gris, mais vous savez un peu cette couleur. Je crois que c'est lui, mais je suis pas sûre parce que je l'avais mis sur une photo et j'ai revu la photo. J'ai fait oh, mais il est grave beau. Enfin, la couleur elle est grave belle, sauf que je sais plus c'est lequel. Regardez mes chaussons, ils sont pas trop choux. C'est des merdes. Je sais plus si c'était cette couleur, mais bon, tant pis. Pour la référence, c'est embellissement de NYX Lingerie numéro 02. La macro elle charbonne pas trop là. Hein. Voilà. Toujours mettre son rouge à lèvres dans son sac. Pas grand chose dans mon sac. Hein. Regardez cette crème. Je l'ai volée à Astrid. Et elle sent trop bon. C'est une crème qui vient de chez The Body Shop. Je sais pas ça sent quoi parce que je comprends pas ça en fait. Chia. Je sais pas. Et en fait ça sent l'homme je trouve. Et ça sent trop bon. Si vous avez l'occasion d'aller la sentir dans un The Body Shop, et bah sentez-la parce qu'elle sent trop bon. Astrid est de retour. Hello. On va où aujourd'hui? On va à Ikea. Pourquoi faire? Pour acheter des meubles. Okay. Comme vous aimez trop les vlogs Ikea, et bah elle fait un vlog Ikea. Voilà. Sur ma chaîne, c'était beaucoup demandé. Chris, c'est genre un vlog, genre un endroit ouais, spécifique. Ikea. Ça y est, on est arrivé. Regardez notre père où il nous fait marcher. Bon bah, je vous aimais beaucoup. Arrête-toi. Bah, je sais pas, il y a marqué une flèche. Il va où? On peut pas faire moins de bruit celle-là avec ses chaussures. Regardez mes cuissardes, elles sont trop belles, j'aime trop. Et toi? Donc j'aimerais bien prendre celui-là parce qu'il est pas très cher. Et je voulais pas prendre un deuxième Alex parce que ça suffit, ça fait, c'est trop cher. En plus on peut rien mettre dedans à part les maquillages, mais moi je veux mettre plus de choses. Celui-là il me paraît bien, on peut ranger beaucoup de choses et tout. Du coup sauf que je sens que je vais pas le trouver et ça va m'énerver. Mais bon, intra. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais ce que je veux trouver? Quoi? Je veux aussi des rangements pour... On s'en fout. C'est pas très gentil ça. Non c'est pas ça, ça c'est trop cher ça. Moi j'achète pas les trucs chers. En plus, il n'y a pas de... Enfin, ça a l'air de pas très bien rouler. Regardez, imagine, vous avez un dressing comme ça dans votre chambre. C'est grave lourd, non? Et après, tu mets ton lit au milieu. Dressing. Yes. Quand elle croit aller chez sa mère. Bon, vous verrez ça sur son snap, hein. Quoi? Tu dis, c'est un peu plus cher, donc il y a peut-être des ressorts. Pas trop, non. Mais on peut rien mettre dedans. Ou celui-là? Attends, celui-là il est à combien? 135? Non. Finalement entre les deux je crois que je vais prendre celui-là parce qu'il est plus grand. Et en fait lui,
genre les fermetures, enfin quand on le ferme, il est un peu dur à fermer. Genre c'est un peu fermeture sida. Et du coup, mais après c'est pratique parce que c'est petit là. Who talk to me? Hey, c'est ça que je cherchais. Ça c'est bien. Ça, c'est... Ah oui, les ressorts comme ça. Moi je trouve que c'est très très bien. C'est un investissement, mais. 329 je ne connais pas. Maman, que penses-tu de ces tiroirs très profonds, grande capacité de rangement? Ben, ça dépend de toi. Ça va, ça a l'air pratique, non? Faut que je trouve des petits rangements comme ça. Enfin, non, pas comme ça. Non. Ouais, en plastique comme ça. 99 centimes, pas cher. 1,50€ pour ranger les maquillages. C'est pas cher. Allez, on se casse. Ouh, encore plus grand. Non mais, avouez, c'est trop pratique ça. Petite palette, petit blush, tout ça. C'est les mêmes? Ouais. T'as un truc dans l'œil, Chouquette? Ouais. Arrache-toi. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans mon vlog. Donc nous allons récupérer des affaires. Tu montes dans ma gova, je te ramène ça. Vas-y. Bon, allez, ça, numéro 15. Donc moi j'aimerais bien manger des hot dogs. Des hot dogs de porc. Des hot dogs de Ikea. Des hot dogs. Ouais, je suis à faire mal aux yeux. N'ayez pas mal aux yeux les gens. Choc thermique. Choc thermique. Oh, des chips. Donc j'ai la même veste qu'elle mais en gris. Mais c'est un peu trop troué, non? Donc je sais pas si je l'en mettrais. Les gens à chaque fois ils me disent mais ça a été bouffé par des ragondins. Attends. Oh non, ça c'est pour moi ça. Ouh là là, ça c'est quelque chose. Tu peux pas monter dessus? Hein? Il y en a plus, mais là c'est la poisse. Non mais c'est... Ah, c'est pas vrai. Eh, mais à chaque fois qu'on vient, mais là c'était sûr. Hein. À chaque fois qu'on fait un vlog ici, t'as jamais ce que tu veux. Il y en a plus. C'est ça là, 15. Sinon tu prends le grand. Est-ce que tu as envie de pleurer? Ça te fait des émotions? Bah je crois que t'es obligé. Ça me saoule. Bah on sait que ça te saoule. Moi je vais rester juste, je vais rester ici jusqu'à ce qu'il y ait. En fait on a appelé Ikea, on a dit ouais faites un prank. C'est vrai. C'est... Bah, je sais pas. Attends, tu m'as dit quel truc? Bah, elle a dit c'est les numéros, les 15 à les 5. Bah, c'est là. Non. Ça, c'est ça. Et la flèche, c'est ça. Est-ce que tu as envie de pleurer? Tu veux pleurer ou pas? Non, c'est ça pas ça. Ça me saoule, je te jure, j'irai plus acheter chez Ikea. Ah, c'est là. C'est ça? C'est ça? Vraiment? Ah. Et vous m'avez vu? C'était un prank. Ah. Bah, maman, tu sais pas très lire. Hein? Yeah. C'est ça? Oui. Ah. 15, 5, 15. Qui ne sait pas lire? C'est là-bas, c'est vide. C'est vide. C'est ça ou c'est pas ça? Il y a ou il n'y a pas? Pas trop blanc. Tu prends un du coup? Mais vous savez pas lire. Ouais, on va se retrouver avec deux numéros 2, on va pas. Mais je suis sûre qu'à l'intérieur il manquera des clous, ça sera bien fait pour toi. Ouais. Allez, c'est parti. Bon, surveillez mon sac, s'il vous plaît. Oh là là. Amène le chariot. Amène tes fesses. Qu'est-ce qu'elle fout encore celle-là? Attends, je vais faire. Petit snap. Bon, tu... Je charbonne. Lui, c'est bon, non, là. Lui, ah, c'est numéro 2. Amel n'a pas la poisse aujourd'hui. Mais lui, elle va être déçue. Voilà. Arrête après. Non, je rigole. Tu pousses tes affaires. Hein. Mais c'est toi. Hein. C'est toi. Vous êtes tombé. Hmm? Oh, c'est trop mignon. I want the same. Il est où mon papa? Bon, tiens ça, moi je pousse parce que là tu me sautes. Ouais. Allez, pousse. Pousse, esclave. J'ai un peu faim, toi. Charbonne. Regardez, la bouffe chez Ikea, ça a toujours été trop bon. Ça a l'air bon ou ça a l'air pas bon? Je sais pas. Tu veux que je prends un? Ouais, vas-y. T'es bon? Ouais. Ah.
ils mettent voilà, bravo. Quand vous avez le OK, il faut dire Eric. Ça marche pas, ça. Si, regarde, j'ai plus. Hop. Ah si. Eric. Vas-y, ça marche pas, ça m'a dit, il m'a dit ça. J'ai pété. Ah. Ah. C'est ça son cri. Donc ça y est, on vient de rentrer. Maintenant, il faut déballer ça un par un pour les monter individuellement. Enfin, chaque plaque en haut, parce que c'est trop lourd de monter comme ça. Oh, daddy. Ça me gratte. Hé, hey, j'ai pas de gros mots. Non, mais c'est rigole. Ce matin, on était en train de manger tranquillement. Et Astrid reçoit un gros colis Too Faced. On a vu Too Faced, on a commencé à crier. Ouais, elle a fait... C'est trop beau. Are you ready? C'est le colis Sweet Peach. C'est trop mignon. Wow. Il y avait ça. Bon, bref, on s'en fout. Il y avait un couvercle. Mais... Aïe. Il y avait un couvercle, mais je l'ai enlevé. C'est la nouvelle collection Peach. Ouais, Sweet Peach qui Sweet va sortir Peach. En début 2017. Ça, c'est des gloss. Ça, c'est le. Ça, c'est quoi ça? C'est un blush. Un blush. Ça, c'est highlighter, highlight. Bronzer, blush. Aussi, je crois. Ça c'est, bah, ça, la, c'est palette. La palette qui était déjà sortie il y a un an, sauf qu'elle a été en rupture de stock mondiale, il me semble. Mondiale. Et ouais. Ça, c'est un petit sac trop c'est mignon. Sac, c'est trop marrant. Trop mignon. Franchement, c'est grave. Que... Mais le colis, je le trouvais un peu gros pour... Attends, comment on ouvre ça? Pour tout ce qu'il y avait dedans. Ouais. Ça sent la pêche. C'est trop chou, ça sent trop bon. C'est trop marrant, t'imagines, je me promène avec ça. Fashion Week 2017. Ouais. Trop contente. Donc voilà, c'est tout cute. Je vais pas jeter la boîte, elle est trop belle. Ça c'est donne sûr. Envie, hein. Je suis tellement pas déter. Mais regardez, je sais même pas où elle est la notice dans tout ça. Tout ce bazar. Ouais. Ça fait 5 minutes que je suis posée là. Et je cogite. Je regarde. En attendant qu'il se monte tout seul. C'est un peu mal barré quoi. Je me suis mise en tenue de combat. Pyjama, ouais. Et là je vais prendre mon médicament parce que je fais de l'urticaire, regardez. C'est chiant, du coup je vais prendre mon médoc. Et ça me saoule parce que... C'est tout rouge et ça gratte. Je sais pas c'est dû à quoi. Mais c'est très dérangeant. Y a plus. Finalement j'ai pris ça parce qu'on a plus du Mex. En fait du Mex c'était quand j'étais allée à l'hôpital la dernière fois pour mes crises. C'était la médecin qui m'avait prescrit des Umex. Et du coup bah là comme j'en ai plus j'ai demandé à Astrid, sauf que elle est au cinéma, du coup elle m'a dit de prendre ça dans sa chambre. Ça s'appelle Levocetirizine. Et je sais pas ce que c'est mais... J'espère que ça va marcher. Bref, ça m'attend. Regardez qui m'appelle. En fait, on est en embrouille là. Ça paraît. Non. Vas-y, on fait le perfusion en live. Pierre. Attends. Pierre, feuille, ciseaux. T'es un bruchard. Alors, commençons par le commencement. Tadam. Malm. Si vous tombez, c'est pas mon problème. Alors. Ça me fait déjà mal à la tête là, toutes ces vis. Moi, je sais pas ce que c'est tout ça. J'abandonne tout. En fait, ça, je dois le transformer en ça. Je suis si loin du but. Mais regardez tout ça. C'est trop. En plus, comme je suis poisseuse, je sens qu'il va manquer des vis ou je sais pas, il va. Des trucs chelous là. Avec mes crottes. Bon, une heure après, j'ai toujours pas avancé, mais je pense que je vais terminer ce vlog maintenant. Parce que de toute façon, j'arriverai pas à monter le truc.
sac. Et avec plus mon moustiquaire, ça s'est... Genre, c'est venu sur tout mon cou, là, sur mon dos et tout. Enfin, bref. C'est horrible. Et en fait, j'ai attendu que le médicament fasse effet, sauf qu'il fait pas effet. Du coup, bah, je vais me reposer un peu. Si jamais vous avez des remèdes ou des conseils contre l'urticaire, je suis preneuse parce que ça m'énerve. Du coup, voilà. Attendez, regardez. Je vais vous montrer avec la vraie luminosité. Parce que là, vous êtes éclairé au max. Là, ça a pris tout mon côté droit. Ça monte sur mon visage et tout. Enfin bref, horrible quoi. Là, ça a pris mon cou là. Et enfin bref. Bon, finalement, avec mon père, on est dans la voiture. Et on va chercher des médicaments. Ce qui me saoule. Parce que j'avais pas envie de sortir. Alors, ça va, ça va. Il est 21h47. Est-ce que ça te saoule de sortir à cette heure-ci? Ça saoule sa mère. Arrête de dire des gros mots. Voilà. Direction la pharmacie. Non, parce qu'en fait, il y a que. Enfin, toutes les pharmacies elles sont fermées, elles sont sauf une qui ouvre H24, sauf qu'on doit aller dans une ville et tout. Et en fait, ça me gratte. Franchement, ça m'a saoulé de me rhabiller parce que. C'est. Je sais pas moi. C'est. Merde, j'ai oublié mon numéro. Alzheimer. 9. Ça va? Bon, on revient de la pharmacie. Il faut que je vous raconte, franchement, j'en ai vraiment marre. Bon, j'ai pris deux boîtes de Humex et mon gel pour nettoyer le visage parce que j'en avais plus, presque plus. Et en fait, on voulait prendre du Primalan aussi. Je sais pas si ça se dit comme ça. Et mon père, il fait... En fait, le Primalan, c'est sous ordonnance. Et du coup, mon père, il fait... Mon père, il fait... et je voudrais... Bah, il dit, on va prendre deux boîtes de Humex et je voudrais du Primalan aussi. Et après le mec il fait... Le mec il fait ah non désolé le Primalan c'est sous ordonnance. Et mon père il fait il fait ah bon pas grave je le prends quand même. Et après j'ai commencé à rigoler toute seule dans la pharmacie. Non mais franchement mon père il est grave. Pourtant il sait ce que ça veut dire hein. Papa t'es chiant. Pourtant il sait ce que ça veut dire quand c'est sous ordonnance. Donc c'est quand t'as pas d'ordonnance bah tu peux pas tu vois. Et mon père il fait pas grave. De moi, là, hein. Pas grave je prends quand même. Oh voilà c'était mon fou rire de la journée. Parce que là franchement mais ça se voyait que le pot. Enfin genre l'homme a mal la vie. Ouais ça se voit à 22h t'as la flemme de travailler quoi. Surtout que c'est une pharmacie qui ouvre à 24, du coup genre ça se voyait que t'es fatigué tout ça et qu'il avait pas qu'il avait pas la foi de, de rigoler quoi. Enfin bref, papa ça va? Ah merde, mon pauvre appareil. Bref voilà c'était pour vous raconter parce que j'ai vraiment rigolé à en pleurer donc voilà c'était pour vous raconter ma petite histoire. Du coup voilà bon bah je vais vous laisser. Je sais même pas si je vais poster ce vlog parce que je sais pas si j'aurai la foi de le monter ou si il y a assez de contenu pour vous poster tout ça. Enfin bref. Donc voilà bon bah je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.